Glabka, fofo cloto bu, canafali tibi botuko. À moins que ce soit litibakati. Je ne me souviens jamais. Peut-être lobotati kibo. Non, non, c'est lobota quelque chose. Oh. Est-ce que ça va finir par marcher? Que faut-il faire pour entrer en contact avec un puissant juju d'un autre monde? Ça a marché. Bonjour. Tu m'entends? Tu ne dis rien, mais je vois bien que tu m'écoutes. Tu as l'air bizarre. Tes vêtements, ce bâton de pouvoir que tu tiens, je n'ai encore jamais vu de juju tel que toi. Et quelle est cette boîte magique dans laquelle je suis? Il s'agit clairement de l'objet le plus important de ta hutte. C'est un honneur que tu me fais en me regardant dedans. Je m'appelle Jibolba. Je suis le chaman du peuple légendaire des Popanounous. Depuis de nombreuses générations, nous... Hé! Un peu de silence! Je parle à Juju! Pac! Tu veux bien les faire taire? C'est important! Et va chercher Locke le guerrier! Je tiens à le présenter à ce Juju! Je suis vraiment désolé. Oh, étrange et puissant Juju! Mais j'ai besoin de ton aide! Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer. Tout au long de l'histoire de la tribu des Popanounous, les chamans tels que moi-même ont toujours su qu'un jour, quelque chose d'affreux arriverait à notre protectrice, la Juju de la Lune. C'est ce qu'annonçait la prophétie des Popanounous. La Juju de la Lune est notre bouclier contre le mal, ainsi que la source de mon pouvoir Juju. Elle est forte, gentille et tellement belle. Oh, ça c'est Tlaloc. Lui, il n'est pas gentil et encore moins beau. C'est un gros jaloux qui pratique le juju maléfique. Le conseil qui choisit le grand chaman m'a préféré à lui. Alors, la nuit dernière, Tlaloc a décidé de se venger. Tlaloc s'est introduit dans le temple de la lune avec ses serviteurs Pic et Pins. Ils ont volé les pierres de lune, dont la juju de la lune tire sa force. Le premier acte de Tlaloc a été d'utiliser les pierres de lune afin de transformer les Popanounous en moutons sans défense. Sans la juju de la lune, mon pouvoir ne peut protéger que quelques-uns des miens. Et ceci n'est que le début du plan abominable de Tlaloc. Mais ce dernier est un idiot. Il ne s'en tirera pas comme ça. Car la prophétie des Popanounous dit bien qu'un grand guerrier, formé par le grand chaman, triomphera de Tlaloc et sauvera la juju de la lune. Et j'ai formé un tel guerrier. Il se nomme Locke. Tac! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je devais aller chercher Locke. Oui, c'est exact. Ramène-le-moi et arrête de jouer avec les moutons. Je l'ai ramené. Non, c'est juste un mouton crasseux. Non, c'est Locke. Il porte encore son amulette. Tlaloc a dû le transformer dans son sommeil. Non, 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 ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de la pro... La prophétie. La prophétie des Popanounous. Le grand guerrier n'est pas censé devenir un mouton. Et encore moins me lécher les pieds. Arrête ça, Locke. Oh, c'est trop affreux. On ne peut pas lui rendre sa forme? Je ne sais pas. Si, je sais. Nous allons retransformer Locke en grand guerrier. Le grand esprit Juju qui nous observe depuis un autre monde va nous aider. Suis Tac et utilise ton pouvoir pour le protéger.
Accompagne-le au cimetière de nos ancêtres pour mettre les dents dans les statues. Et ramenez-moi des plantes à Bobo tant que vous y êtes. Allez-y, tous les deux. Locke doit arrêter Tlaloc avant que ce dernier ne tue la déesse de la lune. Bonjour, Tac. Je m'appelle Flora. La Juju de la Lune m'a chargée de te suivre et de t'aider quand je le pourrai. La route est longue, alors autant y aller tout de suite. Tu l'as sûrement compris tout seul, mais le joystick analogique gauche te permet de te déplacer. Si tu as besoin de sauter, il te suffit d'appuyer sur la touche croix. Et si tu appuies deux fois dessus, tu exécuteras un double saut. Rigole pas, j'aime bien être complète dans mes explications. Oh, je viens juste de penser à un détail important. De temps en temps, tu remarqueras que la caméra n'est pas tournée dans la direction où tu veux aller. Dans ce cas, utilise le joystick analogique droit pour faire pivoter la caméra autour de toi. Si la caméra n'est pas dirigée dans la bonne direction, amène-la dans la direction qui t'intéresse grâce au joystick analogique droit. Vas-y, essaie de la tourner vers moi. Génial! Fais pareil chaque fois que tu voudras regarder quelque chose. Simple, non? Et si tu veux que la caméra se centre derrière toi, il suffit d'utiliser la touche R3. Ok, Tac. Tu devrais t'apercevoir que la plupart des animaux pourront t'aider. Chaque fois que tu en rencontreras un, essaie de voir en quoi il peut être utile. Certains pourront également te servir de monture. Ah oui, le puissant rhinocéros. Il n'a pas son pareil pour réduire tous les obstacles en bouillie. Vas-y, grimpe à bord. Essaie de lui donner un coup de gourdin si tu veux le voir aller plus vite. Tes aventures, tu te rendras compte qu'il y a des objets que tu peux ramasser. Mais le plus chouette, c'est que tu peux aussi les jeter en appuyant simplement sur la touche carré. Si tu veux déposer un objet que tu ne veux plus transporter, appuie sur la touche triangle. Parfois, en sautant, tu t'agripperas à une corniche. Si tu tiens un objet, tu le lâcheras toujours pour attraper la corniche. Il t'échappera aussi si tu tombes de haut, d'ailleurs. Tu vois ce petit bonhomme? C'est un singe à queue enroulée, qui est particulièrement retors. Les singes adorent lancer des noix de coco sur les autres animaux.
Allez, Tac, essaie de lancer le melon sur le singe pour voir ce que ça fait. Aïe! Oh! Puis-je te suggérer de reculer? N'oublie pas que les singes visent toujours la cible la plus proche d'eux. Tu as vu? Dès que tu lui jettes quelque chose, il lance sa noix de coco sur la cible la plus proche. Ne l'oublie pas, ça pourrait être utile. Les plumes valent très cher. Ramasse bien toutes celles que tu verras. Pour ce faire, il suffit de marcher dessus. Tu trouveras des tas de plumes différentes. Celles qui sont jaunes rendent de la santé. Elles ressemblent à celles que tu as sur la tête parce que celles-ci déterminent ton état de santé. Quand elle devient violette, c'est que tu es très mal en point. Les autres plumes redonnent aussi de la santé, mais elles sont surtout utiles pour faire appel à la magie. Tu auras besoin de plumes à mana pour te servir de ta magie. Je vois que ton arme actuelle est le gourdin. Plutôt basique, mais facile à manier. Appuie sur la touche carré pour t'en servir. Entraîne-toi sur ces jarres. Attention, Tac! Un herbivore se cachait dans cette jarre. Serre-toi de ton gourdin. Il va falloir plusieurs coups, mais je sais que tu peux le battre. Booyah! Joli! Boum, chocaloka! Joli! Boum, chocaloka! Bien fait! Cet orang-outan tord son bananier. Et qu'est-ce qui se passerait si tu étais sur la grande feuille, hein? Essaie de voir. Génial, Tac! Chaque fois que tu voudras que l'orang-outan t'envoie quelque part, mets-toi à côté de lui et il abaissera son arbre. Souvent à te servir de corde. N'oublie jamais que tu te balances dans la direction à laquelle tu fais face. Alors, utilise le joystick analogique gauche pour aller vers la gauche ou la droite avant d'attraper la corde. Super!
Bien, intéressons-nous aux béliers maintenant. Essaie de passer à côté d'eux. Tu sais, chaque fois que le bélier t'envoie dans les airs, il retourne se poster au même endroit. Peut-être qu'un melon te permettra de l'attirer loin de la porte. Essaie de poser un melon par terre à côté de lui pour voir ce qu'il fait. Super, Tac! Te voilà prêt à aider Jibolba à rendre leur aspect humain à Locke et aux autres villageois. Jibolba a dit qu'il fallait aller au cimetière. On y accède depuis le village. Mettons-nous en route!